féliciter le président de la République, parce que ce qu'il a oublié de dire, qu'il m'a rappelé tout à l'heure au cours de l'audience, il a félicité aussi la Cour constitutionnelle qui a accepté tous les candidats. Parce que dans le mental de certains membres de l'opposition, et même la plupart des Congolais, ils étaient convaincus que Katumbi ne sera pas candidat, il sera rejeté par la Cour constitutionnelle. On l'a accepté et moi j'étais l'homme le plus heureux parce que j'aime toujours m'affronter à des forts. Comme ça, le résultat, il est incontestable. Quand vous êtes une grande équipe et vous avez en face de vous une petite équipe, le challenge ne vaut rien du tout. Donc nous avons mené un combat démocratique sur le terrain. On a senti effectivement que l'adversaire existait sur le terrain, mais le système de jeu d'encerclement que nous avons adopté ne lui a pas laissé beaucoup de chance. Il était seul en train de circuler dans ses jets, il ne pouvait pas atterrir, à part à Kasongo, je l'ai vu, mais atterrir sur des pistes trop compliquées ou faire des centaines de kilomètres sur des routes complètement défoncées. Ça, nous l'avons fait. Et les résultats, nous attendons, que je ne veux pas anticiper, parce que beaucoup commencent déjà à nous féliciter, donc, parce que c'est un secret des polichinelles. La CENI a choisi la méthode qui avait été édictée par l'opposition et conférée dans la loi, c'est-à-dire bureau par bureau. Et donc, nous savons ce qui se passe régulièrement. Et il faut vraiment... maintenant que nous nous battions, c'est-à-dire nous, Congolais, pour consolider la cohésion nationale. Parce que les élections n'ont pas réglé la question de l'occupation de Masisi, de Rutshuru et une partie de Nyiragongo. Nous devons renforcer notre cohésion nationale tout en sachant que nous avons encore les défis sécuritaires à relever. Nous devons, autour du président Félix Tshisekedi, nous qui sommes proches à lui, lui rappeler, d'abord lui-même il le sait, qui est une fois proclamé par la CENI, il devient le président de tout le monde, de ceux qui ont voté pour lui et de ceux qui n'ont pas voté pour lui. Il est le garant de la nation, il est le garant des droits de tous les Congolais. Et je voudrais, c'est mon rêve, que après l'investiture, nous puissions amorcer un nouvel élan qui va faire la rupture avec le passé. Pas de chasse à l'homme, pas d'interdiction inutile, pas de refus de papier à certaines personnes parce qu'appartenant à une autre classe politique. Je crois que tout cela, connaissant bien le président Félix Tshisekedi, il va le faire. Mais ceci dit, nous devons aussi, nous, en tant que collaborateurs, emboîter le pas au chef. Et là, je peux vous dire que nous aurons un Congo qui fera bon vivre.